camarades d'Afrique, nous apprenons que le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé tous les diplomates burkinabés de la Côte d'Ivoire. Tous les diplomates burkinabés sont sommés de rentrer à Ouagadougou très rapidement. On va dire que c'est la fin des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que Dramane, il a trop poussé le bouchon loin. Le gars, il est dans une velléité démesurée de déstabilisation du Burkina Faso. On ne sait pas pourquoi, mais le gars, il est gamé. Il est gamé. Il veut forcément déstabiliser ce pays. Il veut forcément mettre ce pays à genoux. Un pays qui est en train de se relever, il veut à tout prix mettre ce pays à genoux. Donc, nous saluons cette décision historique du capitaine Ibrahim Traoré, qui vient même d'ailleurs en retard, comme il a dit lui-même, comme il a fait dire par son ministre, la récréation est terminée. Nous sommes d'accord avec ce tas de fer. Il faut mettre fin à la récréation maintenant. Il faut réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré. Nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision historique et brave. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je reviendrai plus en profondeur pour d'autres détails dans ma rapide Afrique. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de Corée 25, Inch'Allah. Camarades d'Afrique, nous apprenons que le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé tous les diplomates burkinabés de la Côte d'Ivoire. Tous les diplomates burkinabés sont sommés de rentrer à Ouagadougou très rapidement. On va dire que c'est la fin des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que Dramane, il a trop poussé le bouchon loin. Le gars, il est dans une velléité démesurée de déstabilisation du Burkina Faso. On ne sait pas pourquoi, mais le gars, il est gamé. Il est gamé. Il veut forcément déstabiliser ce pays. Il veut forcément mettre ce pays à genoux. Un pays qui est en train de se relever, il veut à tout prix mettre ce pays à genoux. Donc, nous saluons cette décision historique du capitaine Ibrahim Traoré, qui vient même d'ailleurs en retard, comme il a dit lui-même, comme il a fait dire par son ministre, la récréation est terminée. Nous sommes d'accord avec ce tas de fer. Il faut mettre fin à la récréation maintenant. Il faut réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré. Nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision historique et brave. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je reviendrai plus en profondeur pour d'autres détails dans ma rapide Afrique. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de Corée 25, Inch'Allah.